L'homme qui reçoit son âme de Dieu peut, dans le Christ, faire de sa mort l'acte d'offrande parfait dans lequel il rend, dans l'action de grâce, son souffle à son Créateur. Jésus, en son agonie, certains saints à sa suite, sont témoins de cette peur de l'homme devant la mort. Mourir pour le chrétien comme pour les autres est un acte difficile. Thérèse, qui a pourtant toujours désiré mourir jeune pour donner sa vie dans un martyre d'amour, est passée elle aussi par la nuit de l'agonie. Voici les paroles de Sainte Thérèse, recueillies par ses sœurs dans les derniers mois de sa vie. Notre Seigneur est mort sur la croix, dans les angoisses, et voilà pourtant la plus belle mort d'amour. C'est la seule qu'on ait vue, on n'a pas vu celle de la Sainte Vierge. Pourquoi serais-je plus à l'abri qu'une autre d'avoir peur de la mort? Je ne dis pas comme Saint Pierre, je ne vous renoncerai jamais. Comme c'est facile de se décourager quand on est bien malade. Oh, comme je sens que je me découragerais si je n'avais pas la foi, ou plutôt si je n'aimais le bon Dieu. Oh, comme il faut prier pour les agonisants, si l'on savait. J'ai peur d'avoir eu peur de la mort, mais je n'ai pas peur d'après, bien sûr. Et je ne regrette pas la vie, oh non. C'est seulement de me dire, qu'est-ce que cette séparation mystérieuse de l'âme et du corps? C'est la première fois que j'ai éprouvé cela, mais je me suis tout de suite abandonnée au bon Dieu. Dans le Christ, la mort est transformée. L'homme qui reçoit son âme de Dieu peut, dans le Christ, faire de sa mort l'acte d'offrande parfait, dans lequel il rend, dans l'action de grâce, son souffle à son Créateur. Configuré au Sauveur, mort et ressuscité, le chrétien achève dans la Pâque de déposer le vieil homme pour revêtir la nouveauté de la vie. Ce qui était descente dans le royaume de l'ombre devient alors plutôt passage vers la vie, l'entrée dans la lumière sans déclin et l'océan sans rivage de l'amour divin. 3 mois avant de mourir, Thérèse écrivait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je me représente mon âme et je prends toute la mesure de son état. Est-elle assez pure pour rejoindre la cité des cieux? Je prie les âmes du purgatoire en faisant une partie du chapelet pour leur demander d'intercéder pour mon âme.